édito, le gouvernement a annoncé renoncer à une partie des mesures annoncées par Édouard Philippe mi-novembre, avant de finalement les maintenir quelques heures plus tard, arguant d'une « discussion avec les parlementaires de la majorité ». Drôle de drame, mardi 18 décembre, à Matignon. En milieu d'après-midi, les services du Premier ministre faisaient savoir qu'ils retiraient les mesures annoncées par Édouard Philippe en novembre. Deux heures plus tard. Tout cela était finalement bel et bien maintenu. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est ce qu'on appelle un aller-retour express ou un couac express si vous préférez. Premier acte, Matignon annonce qu'une partie des toutes premières mesures que le Premier ministre avait annoncées ici même sur RTL, à savoir l'extension du chèque énergie, le relèvement du barème kilométrique et le doublement de la prime à la conversion, tout ça, n'existe plus. Au motif que le président a annoncé l'annulation des taxes sur les « lire la suite sur RTL » pour aller plus loin à lire aussi sur RTL.